Bonjour à tous. Aujourd'hui, nous recevons un président de club de foot heureux. Non, il ne s'agit pas de Jean-Michel Aulas, mais il s'agit de l'autre grand patron du foot à Lyon. Il s'agit de Mohamed Tria, le président de l'AS Duchère. Bonjour Mohamed Tria. Bonjour. Vous avez sportivement cette année acquis votre promotion en nationale, qui est la troisième division du foot en France. Vous avez aussi pendant longtemps demandé une augmentation de 100 000 euros de votre subvention au maire de Lyon, maire que vous avez publiquement soutenu durant les dernières élections. Comment vous avez reçu le nombre de refus initiaux qu'il y a eu? J'étais d'abord surpris. J'étais d'abord surpris parce que le premier refus était net, sans se pencher sur le dossier, sans comprendre, sans discussion. D'où ma surprise. Après, les choses se sont arrangées avec une petite pression médiatique qui a été mise en place. Mais bon, j'étais d'abord surpris par ce type de réaction. À quoi vont vous servir ces 100 000 euros en plus? Ces 100 000 euros en plus vont nous servir d'une part à sécuriser le stade. Deuxièmement, notre championnat est maintenant sur une couverture nationale. Jusqu'à présent, on était sur un CAREST qui était 4 poules qui couvraient toute la France. Aujourd'hui, c'est sur toute la France, donc des frais de déplacement qui vont être beaucoup plus importants. Supplémentaire. Du coup, vous avez présenté votre budget à la DNCG puis à la Fédération française de football. Comment ça s'est passé? Ils l'ont accueilli favorablement? Oui, on a eu une réponse positive. La DNCG nous avait demandé de couvrir le budget à 2/3 avant de démarrer, donc c'est ce qu'on a fait. Donc on a eu les feux verts qui nous permettent aujourd'hui d'être officiellement national. De quel montant va être ce budget? Va être à peu près d'1,5 million. C'est beaucoup pour un club de national ou pas vraiment? C'est un des plus petits budgets de la poule. Donc vous êtes le petit poussé de la compétition? Bon, quasiment, je crois qu'il y a Belfort qui est un peu dans la même configuration que nous. Mais on va être un des plus petits, on va dire. Donc l'AS Duchère, c'est un club de foot qui va être national, mais c'est un petit peu plus qu'un club de football. Vous avez aussi un rôle social dans votre quartier. Est-ce que vous pouvez expliquer justement quelles sont les actions que vous menez au quotidien avec ce club, auprès des jeunes, mais aussi auprès des plus vieux? Donc le club à la Duchère, c'est 600 licenciés à peu près. C'est 619 pour être précis. C'est beaucoup pour un club de football? On est un des clubs de football les plus importants, on va dire, de la région. Et on travaille, on fait pas que du foot à la Duchère, on est le premier vecteur social de ce quartier. On travaille autour de 4 thématiques qui sont l'école, la santé, la citoyenneté, le comportement et l'emploi. Où on décline un certain nombre d'actions avec la finalité de contribuer à ce que ces jeunes soient bons. Et s'ils sont bons, pas qu'au foot, ça serait pas mal non plus. Vous avez des résultats pour le moment? Oui, tout à fait. Aujourd'hui, on a à la fois des résultats scolaires parce qu'on a un certain nombre de licenciés qui vont au lycée La Martinière, ce qui n'était pas le cas il y a quelques années. On a des résultats tangibles sur le comportement parce qu'on a chaque année beaucoup de prix du fair-play par la Ligue et par le district qui saluent le comportement des jeunes. Et on a aussi la reconnaissance des autres clubs de l'environ. J'ai dû recevoir une centaine de lettres de félicitations pour le comportement de nos joueurs et notre accueil. C'est quelque chose, le fair-play, c'est une chose sur laquelle vous insistez beaucoup? Oui, parce que, vous savez, on associe souvent le social à la médiocrité. Mmh. Et moi, je considère que le social, on peut en faire un outil d'excellence. On l'a montré sportivement en montant en national, mais aussi dans le comportement, et c'est ce que je dis souvent à nos jeunes, dans ces quartiers-là, on attend plus que pour les autres en termes de comportement. Est-ce que depuis que vous avez acquis cette promotion en national, vous avez de nouvelles candidatures, des gens qui veulent venir s'inscrire au club de la Duchère? Oui, bien sûr, bien sûr. On a... C'est victime de votre succès, quoi. Oui, et malheureusement, on a des problèmes d'infrastructure. Je ne vais pas ouvrir un nouveau chantier en ayant fermé celui de la subvention, mais on a un vrai problème d'infrastructure. Aujourd'hui, on accueille 620 jeunes et on pourrait en accueillir, je pense, 200 de plus, quoi, si on avait les terrains. Donc vous êtes obligé de refuser des gens actuellement? On refuse des gens, malheureusement. Là, en ce moment, il se déroule une grande compétition qui est l'Euro 2016 en France et à Lyon. Vous êtes président qui vient du monde amateur, maintenant quasiment semi-professionnel. Quel regard portez-vous sur ce monde professionnel? Quelque chose qui vous attire ou vous avez aussi des réticences? C'est quelque chose qui me fait un peu peur d'ailleurs. Hein. J'y vais pas sereinement. Nous, on est un club particulier, comme vous l'avez dit tout à l'heure. On a deux jambes. Hein. On est à la fois un acteur social et un acteur du foot. Et je souhaite qu'on garde notre identité parce que je crois qu'à la Duchère, on n'a pas besoin que d'un club professionnel, mais on a surtout besoin d'un vrai acteur social. Le professionnalisme peut vous faire perdre cette identité? Bah après, ça va devenir compliqué d'être performant de partout, quoi. Aujourd'hui, quand on regarde les clubs professionnels, ils font très peu d'actions sociales. Donc je regarde un peu ce constat-là. Nous, on souhaite vraiment garder notre identité parce que, encore une fois, la Duchère, il faut qu'on soit aussi un acteur social important.
Vos joueurs de l'équipe première participent à ça aussi auprès des jeunes? Oui, complètement. Par exemple, nos joueurs de l'équipe première ont servi des repas au Resto du Cœur tout l'hiver. Donc chacun, dans chaque licencié a des actions sociales particulières. Et souvent les gens sont étonnés de dire « vos joueurs de l'équipe première servent des plateaux repas au Resto du Cœur ». Mais parce qu'on souhaite que tout le monde ait cette identité sociale et cette identité d'entraide en fait. Quelle relation vous avez avec l'autre gros club professionnel pour le coup qui est l'Olympique Lyonnais? On n'en a pas. Zéro partenariat, zéro... Non, non, on n'a aucune relation. Parce qu'il pourrait y avoir, comment dire, une sorte des clubs filiales un peu, ça existe, des parrainages dans le football Bah, jusqu'à présent, c'était un peu compliqué parce que leurs réserves jouent en CFA à notre niveau à nous. Mmh. Et qu'aujourd'hui, il a été... tant qu'on monte à National, peut-être qu'il y aura un intérêt sportif pour le faire. Merci Mohamed Trian. Merci. Merci aux téléspectateurs de TLM. Si vous voulez suivre la suite de cet entretien, ça sera sur YouTube, sur Lyon Capital, pardon. Au revoir. On est toujours ensemble. Il me reste quelques questions à vous poser. Sportivement, quels vont être vos objectifs pour la saison prochaine? On en a déjà parlé, mais ça va être vraiment au milieu de tableau, éviter la relégation On constate que quand même, tous ceux qui sont montés en national, la première année a été compliquée. Mm-hmm. Donc il va être fondamental pour nous d'être solide, comme on dit, et de pouvoir faire un bon maintien, si c'est possible. Solide, c'est-à-dire garder la structure actuelle et l'améliorer en recrutant? On va garder 80% d'effectifs. On va recruter 4-5 joueurs qui ne seront pas de niveau supérieur, mais des bons joueurs de CFA. Parce qu'on ne souhaitait pas avoir des joueurs qui viennent avec un statut particulier connaissant le national. Et aussi parce qu'on n'avait pas les moyens aussi de se les payer. Ces joueurs-là, ils vont venir de la région ou vous avez un peu fait le scout, c'est-à-dire aller regarder partout? On a recruté Michael Charvet hier, qui est un joueur de Chasselet, hein, qui était à côté de chez nous. On va signer tout à l'heure Nicolas Suchet, qui est un joueur de Moulins. Donc c'est un panaché, on va dire. Mais on a pris comme critère des joueurs qu'on connaît. Des joueurs qu'on a vu jouer et qu'on c'est dont pareil, on connaît le comportement. C'est pareil, il y a toujours ce côté... personnel, c'est-à-dire que vous voulez avoir quelqu'un sur qui vous pouvez avoir confiance dans la démarche que vous avez? Quelqu'un qui a nos valeurs, quelqu'un pour qui l'entraide a vraiment un sens. On ne peut pas être égoïste à la Duchère, c'est pas possible. Qu'est-ce qu'on peut vous souhaiter pour la suite? De continuer, de nous maintenir et de faire en sorte que nos problèmes financiers soient moins importants. Parfait, j'espère que la mairie vous entend. Merci, merci. Merci, bien. Merci à vous de nous avoir suivis, merci à Élise qui était à la technique aujourd'hui. Et on se dit à très bientôt pour un nouvel Autre Direct.